Salut à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, toujours sur PS5, toujours avec le TGT 2 et le levier de vitesse de Thrustmaster, le TH8. Donc je continue ce contre-la-montre sur un tour sur le Nürburgring, alors après je me mets aux courses, hein, je ferai pas que ça. Et j'ai pris cette Alpine à 220 RS Car de 1968, ma voiture préférée, enfin l'une de mes voitures préférées hein, dans le top 3, largement et de loin, une vraie voiture de course des années 60. Donc ça V8 de 3 litres pour plus de 300 chevaux. Allez, c'est parti, on verra, on va faire peut-être un petit bilan sur le classement. Donc j'ai fait avec la F1 des années 80, 6 minutes 25, avec la Porsche 917 Living Legend, 6 minutes 45, troisième temps avec la Pagani Huayra 2013, 7 minutes 17. Donc à mon niveau, hein, c'est pas des temps explosifs, c'est sûr, je vous l'accorde. Voilà, c'est juste à mon niveau. Donc elle est complètement d'origine, hein. J'ai pas touché, j'ai juste mis des pneus courts tendres dessus. Allez, et je vous fais au levier de vitesse de Thrustmaster, le TH8. Alors là aussi, hein, je vais pas faire un temps non plus. Je vais pas exploiter la voiture à son maximum, ça c'est sûr. Mais à mon niveau, je vais voir à peu près le temps que je vais faire. On va rester concentré quand même. Parce que c'est pas évident quand même. Là vous le sentez dans le volant, hein. Cette voiture c'est impressionnant. C'est comme la F1 des années 80. Vous sentez toutes les secousses de la route.
Allez, on attaque la dernière ligne droite. Donc c'est une voie de 5. Hein. Et voilà, donc 7 minutes 15, on va regarder à peu près ce que ça donne. On va d'abord regarder la rediffusion. Donc excusez-moi, hein, j'ai pas trop parlé, je suis resté un peu concentré un minimum. Bon après, hein, quelqu'un de meilleur que moi peut faire un meilleur temps que moi, ça c'est sûr. Hein. Bon, moi j'essaye de faire quelque chose à mon niveau. Mais elle est exceptionnelle, cette voiture exceptionnelle, j'adore. Vous avez vu quand je rétrograde, le bruit que ça fait, c'est excellent. Excellent. Ah, pour tous les passionnés de l'automobile, hein, ça c'est une voiture légendaire, hein, légendaire. Elle n'est pas évidente à conduire, par contre les sensations que vous avez dans le volant, dans cette voiture, c'est extraordinaire, extraordinaire. Par rapport à une autre voiture que vous essayez dans le jeu, assez récente, ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir au niveau des sensations dans le volant. On voit vraiment que ce volant a été fait pour ce jeu, quoi. Chaque voiture est différente au niveau de la conduite. C'est exceptionnel ce qu'ils nous ont fait là. Vous voyez le petit l'ancien sigle Renault là sur le toit, excellent. Donc j'ai vu qu'il y avait une course là à 1 million de crédits. J'ai bien envie de me la faire avec celle-là d'origine, voir ce que ça donne. Après je pense que je me ferai larguer largement, mais juste pour voir, j'essaierai.
Vous avez vu comme ça part, c'est impressionnant. Alors après, au niveau des freins, vous êtes vraiment obligé d'anticiper, hein. Parce que ça n'a pas des freins terribles, hein, par rapport à la puissance. Après, c'est léger, donc ça s'arrête bien, mais voilà, c'est pas non plus du top niveau. C'est normal, hein, c'est les années 60, fin 60. Bon, déjà, ils étaient très hauts au niveau des voitures, hein, c'était exceptionnel déjà à l'époque. Fallait y conduire ces engins. C'était pas donné à tout le monde, hein, je pense. Allez, la ligne droite. Allez, ça dépote, hein, quand même. Mais quel bonheur de conduire cette voiture. Quel bonheur, c'est vraiment magique de conduire ça. Voilà, donc on va regarder le classement. Où elle se situe? Eh ben, elle est troisième. Elle devance la Pagani Huayra 2013, vous voyez, de 7,15. Donc 2 secondes de moins que la Pagani. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu, puis j'espère à bientôt. Merci à vous.